s'attend à du feu. Et gars, j'espère que t'as un extincteur. Bonjour à tous, c'est Marwan, vous êtes bien sur Rap & Shine. On est là aujourd'hui au concert de Rof, le Classic Man au Classic Tour à Bercy. Vous pouvez le voir, Rof qui prépare ses balances. On va essayer de vous faire découvrir un petit peu tout ça. Il y aura du Taiki, il y aura du Jiménez, il y aura du Amel Bent et d'autres surprises. Restez branchés, vous allez tout voir. C'est parti. Rof, comment tu vas? Top. Tranquille, bah ouais. Ça se passe tranquille. Comment tu te sens avant ce Bercy? Zen. Comment tu prépares un Bercy où tu vas faire pas moins de 2h30 de show? Tu vois, t'as énormément de sons. Est-ce que tu t'es mis à réviser tes classiques? Obligé. Parce que la discographie est grande. Ouais. Quand même 10 albums. Et puis, il faut sélectionner les sons qui accrochent bien au concert. Donc, il y a des sacrifices, il y a des morceaux qu'on ne peut pas jouer, il y en a qui sont évidents, et puis il y a des nouveaux morceaux qu'on a envie de jouer aussi, pour dire que voilà, on s'est renouvelé. Mais voilà, ça va faire des frustrés forcément, mais l'essentiel y est. Veuillez accueillir comme il se doit. Tu le places où, toi, ce Bercy, justement, dans ta carrière? Parce que tu as une immense carrière, mais au final, c'est ton premier... Grand concert? Ouais. C'est vrai. Mais j'ai déjà joué devant plus de monde encore, ouais. Tu vois. Mais c'était pas officiellement mon concert. L'occasion du festival et tout, mais voilà, c'était le moment. Souvent, Rof, j'ai l'impression que c'est de la transmission, tu vois, c'est un peu les grands frères et les grands oncles qui vont écouter. Et donc, du coup, toi, aujourd'hui, te retrouver à côté d'un mec comme lui, dans un Bercy, ça te fait quoi? Bah, c'est quand même une fierté, quand même, quand tu dis que t'écoutais ça plus jeune et qu'aujourd'hui, tu montes sur scène avec lui et t'écoutes les classiques, tout ça, c'est une fierté pour moi. T'as beaucoup fitté dans ta carrière, je pense à des artistes comme Wallen et d'autres comme Taiki. Des gros artistes qui m'ont aussi apporté, on s'est apporté mutuellement, mais ils font partie de l'histoire. Donc c'était
c'est un plaisir pour moi et un honneur de les avoir avec moi ce soir. Justement, ça révèle bien ce que tu disais précédemment, où tu t'es renouvelé, tu vois. Ouais. C'est vraiment un choix de ta part de montrer les deux côtés de... Bah écoute, on prend les artistes qui ont du talent. Voilà. Simplement. Qui ont du talent, qui sont dans leur sphère, qui ont su créer leur univers. Et avec qui ça peut matcher les crampes. Voilà. Gros frère, c'est un artiste que j'ai toujours admiré depuis les débuts. Moi j'ai commencé le rap, il a écouté du rap assez tôt, j'avais 10 ans. Ça veut dire que déjà le fait de me faire représenter par un artiste comorien, parce que c'était le premier on va dire qui a mis les Comores sur la carte de la France, j'ai envie de te dire. Hein. Ça dépasse le rap un peu, tu vois. Par la suite d'avoir collaboré avec lui, de tout. C'est un truc de ouf pour moi. On n'aura pas toutes ces raisons qui vont causer du tort. Quand ça fait trop profond, un peu de rage je pars. Les dards et mon tonton qui nous sonnent à mes poches. Tu tiens trop loin et c'est pour ça que j'ai crevé dans mes proches. À la fin, tu vois, à la fin de la séance studio, il m'a dit j'espère que t'es prêt à ce que ta vie elle change. Et moi, à ce moment-là, je réalisais pas, tu vois. Moi, j'étais sur mon petit nuage, ça. Mais c'est que quand le morceau il est sorti, je me suis rendu compte que c'était une dinguerie en fait. Il m'a un peu mis la pression, il m'a dit ouais, il y a Wallen qui vient de poser un classique et tout. Bon, en plus, grande fan de Wallen, il m'a mis une pression. Du coup, je lui ai dit, il y a un match ce soir, non? J'ai dit, vous regardez pas le foot? Ils m'ont dit, si. J'ai dit, bah franchement, allez regarder le match. Donnez-moi 90 minutes et quand tu reviens, si t'aimes ce que j'ai fait, ben voilà, on laisse. Si t'aimes pas ce que j'ai fait, on recommence. Il n'y a pas de souci, on est là pour bosser et tout. Il m'a dit, t'es sérieuse et tout. J'ai dit, ouais, franchement, allez regarder le match tranquille et revenez. J'ai posé le refrain d'Hystérica. Et pour la sélection de tes sons, est-ce que tu as également suivi l'avis de ton public? Comment tu as choisi toi, ces sons-là? Non, je fais un peu comme j'ai toujours fait, hein, quand je fais un album, tu vois, je sélectionne. Puis j'ai pris la température en force de tourner, de voir même en showcase, même les retours sur les réseaux, partout, je vois à peu près ce que les gens veulent. Ça l'a toujours fait, et j'ai jamais hésité, j'aime la musique, j'aime le chant aussi. Et je suis peut-être l'un des premiers à avoir associé rap et R&B. On se déshabille sans amour, frère, sans amour, on se trahit, sans amour, on se refuse, sans amour, on se déshabille, sans amour, frère, sans amour, on se trahit, sans amour, on se refuse, sans amour, on se trahit, sans amour, sans amour. On a parlé un peu avec tes fans avant qui sont déjà en fosse, qui sont déjà chauds, qui sont déjà prêts. On a interviewé des papas qui étaient là avec leurs enfants, ouais. Tu vois, des mamans aussi. Ça fait 20 ans on écoute bien Roche Joseph. Là, ça va faire au moins 5 ans qu'on attend, 8 ans. Tous les grands ont grandi sur du rap. Vous avez tous grandi sur En Mode et vous le savez très bien. Et il écoute depuis qu'il est né, je crois. Vous avez tous grandi sur Testament et vous le savez. Moi je rappe trop bien et tu kiffes flow. Regrettez, vous le savez, tout ça c'est des classiques. Qui peut le battre? Personne. C'est la première fois que je le vois et ça pouvait pas être mieux qu'aujourd'hui. La vie de ma mère, que les gens ils vont se rappeler de ce concert, Inch'Allah. Pour eux, c'est un peu la consécration, tu vois, de plus de 20 ans de carrière. Consécration n'est jamais terminée, tu vois. Demain, s'il y a un plus gros concert, on parlera encore de consécration. On va dire que c'est un cheminement, quoi. En tout cas, c'est un beau moment pour tout le monde, pour communier autour de... Je pense qu'il va se passer quelque chose. Bah écoute, nous, on va aller regarder ton concert.
Vas-y, let's go. On s'attend à du feu. Et gars, c'est parti, un extincteur. On va en trouver un. On va en trouver un. Vas-y. Super, bah, merci Ross. Grosse force. Testament rédigé consciemment, fait comme si j'étais mort récemment. Je rappe pas hardcore pour fasciner les bourgeois, comme les autres rabat-joie. Évite de me faire marquer devant les gens, capte ta joie. Trop sincère pour la jouer star, pourtant le plus brillant de la constellation. Vous le savez tous, gardez vos prix, vos révélations. Pas besoin de vos fellations pour maintenir l'érection. Je me sens toujours seul dans ma direction. Ma voix turine, mon son dévalorise leur prime. Exprime, crime, crime, centime. Je porte mes couilles en guise de bling bling. C'est la fin du monde, prends mon style comme un signe. Plus tu me détestes, plus je progresse, et ce jusqu'à ce qu'on m'assassine. Touche la tête comme un corps, picore mes rimes. Tu peux me chanter à main sur le cœur comme un hymne. Ma parole est plus fiable que l'amitié, plus claire qu'une vérité. Mes regrets sont bien dans leur peau, irrités, rescapés de l'immaturité. Richesse de la précarité en toute humilité. J'ai plus de quatre vérités, j'ai bon qu'à militer contre le système. Faire outrage aux autorités, faire embarquer mes